Shalom ouvracha, mes chers amis. Est-ce que des morts puissent revenir dans la vie courante et aider les vivants? C'est-à-dire, ce n'est pas un guilgoul, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas quelqu'un qui revient dans le corps de quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un qui est possédé, c'est vraiment quelqu'un qui est une neshama, qui descend sur terre et qui vient donner une indication aux vivants, oui ou non. Cette histoire que nous allons raconter est à l'époque de la Shoah Mamash. Et alors qu'on était juste avant la guerre, eh bien, il y a un papa qui est venu chez Moshe Achayat, Moshe le, comment on appelle ça, le tailleur. Il est arrivé chez Moshe Tailleur, parce qu'on savait que Moshe le tailleur, il avait un peu d'idée de réforme. Il était un peu d'idée de comment on appelle ça, il commençait à avoir des mauvais vents. Et on a entendu dans la ville qu'il a perdu son père. Maintenant, comme on a entendu qu'il a perdu son père, eh bien malheureusement, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a personne qui est venu le consoler. Pourquoi? Parce que, eh bien, les gens, ils disaient, ah, la réforme, on ne touche pas, on est religieux, on veut pas. Bon, il y a un bon petit juif qui est parti, il a dit, non, écoute, mon cher Khayat, je le connais, c'est pas grave, peut-être ça va lui faire du bien, peut-être ça va lui faire même teshuva, même s'il a changé, il est devenu réformiste. Il est parti le voir, il dit mes condoléances pour ton père, tout ça, tu sais, la neshama elle reste, tu devrais penser à faire peut-être kaddish pour lui. Qu'est-ce que t'en penses? Viens à la synagogue et tout ça. Il dit ok, c'est une bonne idée. Je vais venir faire pour kaddish pour mon père, je respectais mon père. Et donc cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec lui faire le kaddish, il a fait comme ça une semaine, 2 semaines le kaddish, et bien sûr, il a écouté les cours et il a lâché tous ces nouveaux vents-là de réforme et il est devenu religieux. Baruch HaShem, il était. Maintenant la guerre est éclatée et tout le monde est parti dans les camps de concentration. Malheureusement, et il a dit moi, un des qui était le fils donc de celui qui a fait faire Tshuva, donc on va l'appeler Reuven, celui qui a le fils de celui qui a fait faire Tshuva, Moshe le tailleur. Il est venu et qui il voit dans les camps de concentration, il voit tout simplement Moshe Achayat, Moshe le tailleur. Qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, on est. Malheureusement, Élie a dit, moi, Réhouven, donc le fils, je suis resté, j'ai réussi à rester à Auschwitz pendant 5 ans. On est resté à Auschwitz pendant 5 ans, on a tenu là-bas, on a vu des milliers de morts qui sont partis, dont Moshe Achayat, dont Moshe le tailleur, lui aussi il est parti. Très bien, la guerre finit et les Russes nous amènent dans une montagne élevée parce qu'ils avaient peur et ils savaient que si on commence à manger rapidement, on allait tous mourir. Donc ils nous ont mis dans une sorte de maison de repos. Ils nous ont posé là-bas. Ils nous ont donné au début à manger que des soupes. Une fois qu'une des soupes, on nous a donné à manger maintenant quelque chose un peu plus consistant. Jusqu'à un beau jour, après 1 mois et demi, 2 mois, ils nous ont donné une table pleine de bonnes choses. Ils nous ont dit, maintenant vous pouvez manger ce que vous voulez. Ça y est, vous êtes en bonne santé. Vous n'avez pas de problème. Et on a commencé à manger. Ce jour-là, c'était un jour de Shabbat. J'avais un ami avec moi. Et il a dit, après un bon repas comme ça, on a oublié de fumer une cigarette le jour du Shabbat, il a sorti une cigarette, il l'a mis dans sa bouche et il l'a mis dans ma bouche. À moi, Réhouven, qui était le fils de celui qui a fait faire tchouva à Moshe Achayat. Bon, il dit, bon, maintenant qu'on a pris notre cigarette, viens, on va faire une petite balade, on prend le train, on fait une petite balade. Malheureusement, lui, alors qu'il était religieux, pendant toute la guerre, pendant toutes les. Comment on appelle ça? Il a essayé de faire au maximum le Shabbat, il faisait attention de pas transgresser le Shabbat dans les camps de concentration. Il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé le Shabbat. Il a pris le train, il est descendu. Et en plein ville, alors, qui y voit? Moshe le tailleur. Il voit Moshe le tailleur, et il le regarde alors qu'il est en train d'allumer une deuxième cigarette. Et après, il disparaît. C'est bizarre. Je l'ai vu, ou peut-être c'est des hallucinations que j'ai. Je sais très bien qu'il était mort. Il a essayé de le chercher dans la gare, rien. Il dit, attends, attends, je m'excuse. Il a dit à son ami, écoute, je m'excuse, je retourne à la. Il a repris le train, il s'assoit là-bas, et il était un peu méboule-balle. Et qui vient le voir, encore une fois? Moshe le tailleur. Moshe le tailleur, donc il était mort, c'est sûr qu'il était mort. Il vient le voir, il dit, écoute, sache que c'est ton père qui m'a fait faire teshuva. C'est ton père qui m'a fait devenir Shomer Shabbat. Sinon, j'aurais pas mérité le Gan Eden. Il aurait fallu que je passe encore des étapes pour pouvoir arriver à mon endroit.
quand c'est marqué Amezdake et Arabim, celui qui fait faire de la teshuva aux gens, eh bien, ce qui se passe, en chet baledo, lui-même, il fait pas de faute. C'est-à-dire le fait que quelqu'un il envoie des cours, ou le fait que quelqu'un il diffuse la Torah, il fait en sorte que même ça, lui, en Akadosh Baruch Hu, il lui empêche. Je lui dis non, je lui donne pas de averot à faire. Je lui empêche de faire des averot. Ce qui se passe, c'est que ton père il m'a fait faire teshuva. J'ai eu une permission dans le ciel de venir te voir parce que c'est la première fois que tu transgresses le Shabbat avec ta cigarette et ton autobus et ton train pour te dire reprends-toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus touché rien, je suis redevenu tout à fait religieux et j'ai compris quelle était la grandeur du Zikouï Arabim, de la diffusion de la Torah. Parce que celui qui diffuse la Torah, il a une puissance de ne pas faire de péché et un mérite extraordinaire dans le ciel. Donc mes amis, vous avez avec énormément de cours aujourd'hui, à vous de les diffuser dans des familles, des gens qu'on ne pourra pas nous avoir, qu'on ne pourra pas aller chercher. Vous avez des familles, mettez dans vos groupes de famille n'importe quel cours et de comprendre que aussi n'importe quelle personne qui est partie de ce monde, il peut revenir même à l'état vivant dans ce monde-là pour donner des messages aux vivants. Baruch Adonai l'Olam, Amen.